Ah oui, ça c'est l'ange de la Loire, je l'appelle. Symbole du lever du jour. Alors les cercles, ça représente l'univers. Alors plus le cercle se rétrécit, plus ça s'approche de la divinité. Ici, là, à côté du ciel, bien sûr, les martyrs, enfin ceux qui ont versé le sang pour l'amour du Christ. Il y a toujours la main du Père. Le centre, c'est il y a la croix et puis le Christ qui est au milieu, un agneau en gloire. Les grandes vagues là, ce sont les ondes bienfaisantes qui descendent sur les hommes, quoi, enfin ça, sur cette terre. Il y a toujours la main du Père, il y a toujours le Fils qui est au milieu et il y a toujours la Vierge en bas. Et le Saint-Esprit qui entre le Père, la main du Père et le Fils immolé. Je l'ai fait donc après la résurrection dans une cité, puisque j'habitais la Zup. Et puis le Christ, il est un peu robotique, si on peut dire, un peu. Il a une prestance, si on peut dire. Après, le corps, il est tout neuf. Ça, c'est l'Annonciation. Alors ça, c'est l'Annonciation. Mais alors la Vierge est un peu style arabe, parce que je ne m'imaginais pas sans doute la Vierge comme elle est réellement, en fait. Moi, je l'ai mis, je l'habille comme j'ai voulu. Ah oui, ça c'est la présentation au temple.
Ça, c'est la fuite en Égypte. Un Jean qui est déporté à Patmos et qui a une vision, l'Apocalypse. Scène. Alors il y a le Christ avec Saint Jean, bien sûr, qui est tout près du Christ, puis tous les apôtres, voilà. Et il y a même le petit chien en bas, parce qu'il ramasse les miettes tombées de la table de son maître. Alors bien sûr, là, la mère de Dieu se penche vers son fils. Des fois, elle l'a sur les genoux, mais elle l'entoure de ses bras et elle le touche un peu. Thank you.
descente de croix. Je sais pas si j'ai pris le compte d'apôtres. C'est vrai qu'ils n'étaient pas tous là. C'est les hommes qui décrochent le Christ. Ah, ça y est, ça m'en vient, ça. Le tombeau vide, voilà. C'est le tombeau vide, ça. Tombeau vide, toujours. J'en ai fait beaucoup, hein, comme des descentes de croix aussi. Ça, c'est la résurrection du Christ, en gloire, en fait, ressuscité. Alors en bas, ils sont en rouge, tous les gens qui lèvent la tête vers ce Christ en gloire. Et puis là-bas, en loin, c'est les apôtres, c'est ceux qui sont près du Christ, quoi. Il y a toujours la main du Père. La Vierge qui ouvre son manteau, la Vierge protectrice.
celle-là, c'est la Jérusalem céleste, avec Saint Jean à gauche, là, qui a un petit livre en main et qui a une vision. Il a une vision. Derrière lui, j'ai représenté sa vision. La descente de croix, la Vierge. Ah, il y a les têtes d'animaux en haut. Ce sont les quatre évangélistes. C'est avec les évangélistes, au Moyen-Âge, on les représentait avec des têtes d'animaux. Saint Jean qui est l'aigle, Saint Marc c'est le lion, etc.